c'est un joueur de Paris Saint-Germain, il fait son travail. Après, c'est le choix de l'entraîneur qui est respectable aussi. Et on essaye tout le monde de l'aider dans les terrains et mentalement aussi pour revenir le ratem qu'on a regardé l'année dernière, que c'était très très bien qu'on a joué avec le Nice. Nous on est une équipe. Nous on est une équipe, et il fait partie de l'équipe et nous on va soutenir Hatem jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je peux te dire, que moi je suis content d'avoir un joueur de son qualité dans l'effectif. Après, comme j'ai dit avant, c'est le choix de l'entraîneur. Nous sommes beaucoup de joueurs, même si on avait quelqu'un qui était blessé pour cette match-là. Après, c'est pas facile aussi pour l'entraîneur de faire son choix. Hatem, le conseil que je peux lui donner, continuer à travailler. Il est un grand joueur, il a démontré, comme j'ai dit l'année dernière ici à la Ligue 1, jouer avec le Nice. Et le conseil, c'est continuer à travailler, qu'il va avoir des opportunités. Ouais, il est en forme, il est heureux, il est encore là ce soir. Il est passé faire un tour au vestiaire pour nous féliciter. Il avait le sourire, donc moi je peux vous dire qu'il va bien. Après, certes que ça ne doit pas être une situation facile d'être écarté comme ça et de pouvoir participer avec les coéquipiers. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un garçon qui travaille et quand il aura sa chance, je ne dis pas qu'il va rester là.